Nous avons un deuxième paramètre. Nous avons un deuxième paramètre. Qui est-ce qui est le deuxième paramètre? Johnny Ferdinand, Radio Caraïbe. C'est lui-même. Léo Vini pour faire émission. Nous avons chaque jour, Chita, c'est des gars économiques qui parlent. Je dis, nous comprenons plus le doyen Johnny Ferdinand a fait. Un pays qui trouve une situation qui n'a pas gagné, monde qui pour dire qui ça que pays ça, qu'il doit faire pour sortir de la situation ça. Je dis à nous, à travers les 35 mois, Ariel Henry, nous, tout ministère, ça, je dis à nous demander pour nous faire une enquête profonde qui pour faire sur tout le monde qui participe dans le gouvernement Ariel, soi-disant, je dis que c'était ministre qui est, mais nous ne savons pas qui ça a réglé dans le travail qui est. C'est gagoté ou gagoté comme là. L'autre ministère de la Santé, nous devons faire une enquête profonde qui fait sur le ministre de la Santé. Nous devons faire une enquête profonde qui fait sur le ministre des Travaux publics. Nous devons faire une enquête profonde qui fait sur le ministre de l'Environnement. Nous devons faire une enquête profonde qui fait sur le ministère de la Justice. Parce que les gens ont gagoté l'argent, ils ont payé et tombé dans une situation profonde. Et nous pouvons payer ça, je ne dis pas, pas qu'il y ait l'autre moyen pour nous sortir la dernière, c'est le peuple haïtien qui peut accepter à l'affronter Mounsayo, parce que Mounsayo, si nous ne pouvons pas affronter Mounsayo, je ne dis pas, et à travers le gouvernement 7-13, qui a Gary Conille la dernière, qui sorti, je suis capable de dire Gary Conille sorti en exil, parce que depuis après, le fait 4 mois mandat là, c'est la balle d'aller l'État jeune mettre encore. Et c'est mettre les retourner avec lui. C'est même continuité à Ariel. Je dis à nous dit, le pays n'est pas capable de rester dans cette situation. Il faut que nous allégions nous. Et ça fait tout autant que la bataille du comité 100% diaspora a fait, nous disons qu'il faut que ça la décentralisation de l'État. Décentralisation de l'État, c'est porter un changement total pour le département. Porter un changement total pour les paysans. Je dis à nous, avons un deuxième paramètre. Nous avons un deuxième paramètre. Qui est-ce qui est le deuxième paramètre? Johnny Ferdinand, Radio Caraïbe. C'est lui-même nous qui promoter ça les gars économiques. Les revenus pour faire émission, nous chaque jour Chita c'est des gars économiques qui a parlé. Je dis nous comprenons plus le doyen Johnny Ferdinand a fait. Alors nous quoi tout le monde qui dit qu'ils sont dans les entrailles du peuple là et puis c'est eux-mêmes qui a fait peuple là passer misère. Je dis à comité 100% diaspora dit non, bagarre pas arrêter comme ça. Faut que nous changions de fusil d'épaule. Faut que nous gagnions ça les colonnes vertébrales. Faut que nous placions la tête nous entre deux épaules nous pour nous dire Haïti pas qu'à périr. Je dis à nous mettre la tête ensemble avec l'Occident. Une série de radios ténors, une série de journalistes ténors. Je dis à côté Jean Mouna. Il fait une grâce au pays. Pour dire c'est Johnny Ferdinand. Pour dire là, qui a fait propagande pour yon pour lever cette tête. Qui a fait propagande pour Gary Conille. Qui te dit que quel que soit Jean Saïe, pas de monde qui est capable de dire pour le venir remplir un rôle dans l'État. Je dis à Gary Conille, pas de colonne vertébrale. Parce que yon moun nous doit camper des paroles. Je veux dire, si nous, ouais, Gary Conille, venons dans le poste, c'est Mettli qui voyait, c'est Occident qui voyait. Je veux dire, il faut nous comprendre côté moun sa voulait enterrer le pays d'Haïti. Et nous, même en tant que comité de la diaspora, ensemble avec Réveil National, Projour, plusieurs organisations de masse, Fonot, nous disons bataille à l'IPAP Copé, et nous disons tout le monde qui s'y a capté parti politique, capté organisation, sous organisation, l'autre parti politique, sous parti politique, nous pouvons ces peuples-là qui ont divisé, je ne dis pas, nous n'avons pas besoin de tout bagaille ça. Nous avons besoin de monde sérieux, de monde qui dit yo y pays. Et sous le pays, nous avons accepté de rejoindre le comité 100% diaspora, nous avons accepté de rejoindre Fonot, nous avons accepté de rejoindre Projour, nous avons accepté de rejoindre Réveil National. Côté nous-mêmes, nous disons faut que Haïti change. Et pour Haïti changer, c'est tête ensemble pour nous changer. Merci la presse. Un problème personnel avec Johnny Ferdinand, ou même en tant que journaliste, ou Johnny Ferdinand qui ça l'a fait. C'est analyse chaque jour, mais pas à regarder ce qui a passé dans le pays à la journée Jodia. Problème pays à la journée Jodia. En pour exemple, je parle ensemble avec nous là. Journée Jodia, nous faisons tourner dans le pays à la. Qui ça gagne? Faut que nous fassions l'État lui-même prendre responsabilité. Mais bah, l'État s'en va pour ça, non? C'est pas l'État mal pour ça, non? C'est pas le monde qui entoure ça, les médias traditionnels. Alors, on parle des médias traditionnels, on va mettre les radio Guinée, non? Mais on mette, on sait des médias traditionnels, on sait des ténors qui sont des pays en otage. Je dis à un, pour poser mon question, je vais dire que la décentralisation de l'État, il doit être faite ensemble avec tout petit pays. Johnny Ferdinand, je vous dis, ce qui a passé dans le pays, nous voyons que depuis le gouvernement 7-13 a monté là, nous voyons ces promotions qu'il a fait. Je vous dis, ils sont deuxième paramètre.
Ça veut dire paramètre, c'était pour Ariel Iteye, Kounala et Johnny sont au deuxième paramètre. Là, on dit que les gens vont chercher Zo, l'on parle de gens vont chercher Zo, ce n'est pas paramètre seulement qui va chercher Zo. Je veux dire, Johnny sont les gens qui vont chercher Zo. Ça veut dire, lycée porte-parole, Gary Koni, lycée lui-même qui va faire conseil pour Gary Koni. Je dis, nous pas besoin de pays comme ça, je veux dire. Lorsque petit peuple, ou sortir dans le central peuple, ou doit en faveur du peuple. Quel est le problème de la Tibonite là? Regardez, nous besoin de production nationale là pour le remonter. Parce que terre qui la Tibonite là, ce travail de John Ferdinand n'a pas dû faire, ils ont plaidoyé pour la Tibonite parce que sont la Tibonite. Mais c'est pas de question, par exemple, de retirer pied, mettre pied pam, et puis nous avons même continuité à Ariel là, et puis nous avons là, pays ça, il est toujours dans la même situation. Journaliste, toujours, nous campons loin, nous toujours, pas qu'à faire ça que nous devons faire. Parce qu'on dit, la jeunesse c'est la vie du pays, qui a vu nous la jeunesse aujourd'hui? Est-ce que tout le temps, pendant que nous mettons nos caméras, et puis pendant que nous ne pouvons pas faire activité nous? Je dis, si une personne qui a pris les activités de libérer le pays, il faut que nous dénoncions. C'est ça qui est dans le pays, nous ne pouvons pas les dénoncer. Nous disons merci avec nous. Alors, c'est Dieu qui fait, sinon, vous choisissez à partir.